Bonjour Alain. Oui, bonjour Chantal, ça devient une habitude. Oui, bah écoute, c'est normal, on se voit régulièrement. Ouais. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui on va parler du charbon végétal. Quelle est l'origine du charbon végétal? C'est tiré de la noix de coco ou du peuplier. Quels sont les principes actifs du charbon végétal? Le charbon végétal n'a pas de principe actif, il n'a que des propriétés. Ah bon, alors quelles sont ses propriétés? Alors, il a des pouvoirs absorbants, c'est-à-dire qu'il va agir par intimité, et des pouvoirs adsorbants qui vont lui conférer la particularité d'absorber, d'éliminer des ballonnements au niveau de l'estomac, au niveau des intestins. Il va éviter les fermentations intestinales, les diarrhées, les inflammations, etc., les ballonnements. Et dans quel cas utilise-t-on le charbon végétal? Ben, chaque fois qu'il y a des problèmes de ballonnement, de flatulence, de mauvaise haleine, liées à une mauvaise digestion, dans tous ces cas-là. Et de quelle manière on prend le charbon végétal? Ben, déjà... Je le présente sous forme de gélules parce que c'est le plus simple et ça évite de noircir la bouche. Mais on peut le trouver en granulé, on peut le trouver en comprimé. Bon, j'ai opté pour la forme galénique gélule qui me paraît la plus intéressante et la moins inesthétique. Bon, bah écoute, je te remercie Alain pour toutes ces informations. Ben, y a pas de quoi, c'était un plaisir.